Et plop les gens, on se retrouve aujourd'hui sur du Cartel Tycoon, notre empire de d'horticulture nous attend, comme chaque semaine il y a eu au moins un patch qui en très résumé, quand je passe ma souris là, je n'ai plus besoin de cliquer pour voir les directions des bâtiments, des véhicules des bâtiments. Et la barre du bas a été modifiée rapidement. Donc là, on a un moyen beaucoup plus pratique pour voir quelles zones produisent à quel pourcentage chaque type. On peut afficher les connexions survol, on peut le désactiver si on n'aime pas ça. Mais au clic, c'est toujours actif, ce qui est très cool. Moi, j'aime bien au survol. Et on peut afficher ou enlever le alt mode si on reprend le nom donné par Factorio à ça, pour voir ce que fait chaque bâtiment. Là où on en était, on avait évidemment notre zone de base, on avait capturé Puerto Rocha il y a de ça pas mal de temps. On était en train d'y développer du cannabis, mais on s'est fait un peu fait choper parce qu'un seul entrepôt pour 4 plantations, ce n'est pas assez. Surtout qu'on n'avait pas forcément tout le... on n'avait pas toute la chaîne. Et l'entrepôt devait exporter ses ressources jusqu'à la ville de Los Grandes pour pouvoir essayer de capturer cette ville. Sauf que ça fait un petit chemin en camion. Voilà, si on reprend le chemin avec la souris. Et du coup, ça n'allait pas. On va voir si une plantation suffit. Pour le moment, c'est le cas, vu que la réserve de cannabis est encore à 3/4 pleine. Mais si ça se trouve, elle va se vider et si elle ne se vide pas, on pourrait toujours commencer à utiliser un entrepôt par plantation à peu près. Hein. On pourrait essayer de faire quelque chose comme ça. Un entrepôt par plantation avec chacun quelques séchoirs, quoique les séchoirs ont l'air d'aller vraiment, vraiment très vite. Peut-être qu'il faudra plus d'ateliers. Enfin bon, les plantations, c'est quelque chose que je ne connaissais vraiment pas. Et donc, je suis un peu surpris de la production. Peut-être que... Enfin, le cannabis aussi produisait bien avant, à l'époque. On va pouvoir reprendre. J'ai juste noté que lui est au niveau max et il commence à devenir farouche. On va donc regarder rapidement. Toi, t'as pas d'argent, j'avais vu. Si on te fait une augmentation, tu peux devenir cultivateur de coca ou être un peu plus costaud. Mais vu ton build ensuite, tu peux être cultivateur de coca plus réduire encore l'intervalle de récolte ou être multicasquette coca cannabis. Et transporteur, ça m'a l'air quand même utile, même si... J'arrête pas de le dire, j'ai un peu de mal à mettre les lieutenants dans les champs. Allez. Voilà. Et on reprend. Alors, ce qu'on avait fait aussi, pendant qu'on y est... on avait pris ce port maritime et on se l'était laissé reprendre puisque c'était la mission juste de le capturer. Sauf que la mission actuelle, c'est de vendre 2 types de marchandises dans 3 ports différents. Et on peut le recapturer et vendre ici, il n'y a pas énormément de problèmes. Là où il y a un peu plus un problème, c'est que on ne peut pas construire sur cette parcelle vu qu'elle ne nous appartient pas. Cette ville, Soledosso, n'est pas sous notre contrôle. Et la seule route qui part du port et pourrait emmener à quelque part intéressant passe par Soledosso.
qui n'est pas contrôlé par un... par le gouvernement, mais par un autre gang. Ce qui fait que ils veulent nous choper tout l'argent qui passe. Donc on peut vendre là-bas pour faire avancer l'émission. Mais en fait, depuis que... J'ai oublié son nom. Celui qui était notre partenaire, qui, depuis qu'il a voulu reprendre son argent. Comment expliquer ça? En fait, j'ai l'impression que le scénario s'est arrêté. On a des objectifs pour nous donner des objectifs de s'étendre. Mais on n'a pas de, d'objectif de scénario, quoi, au final. Voilà. Avec tout ça, toi, j'avais mis César Gacchetti pour mettre plus de véhicules ici. Qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, ils travaillent pas. Mais la résidence n'a plus l'air d'avoir besoin de véhicules supplémentaires. Elle en avait besoin parce que regardez le nombre de fermes qu'elle... Le nombre de bâtiments qu'elle, qu'elle entretient. C'est... Pour le démarrage, j'en avais largement besoin. Maintenant, ici, toi, tu fais le transport ou pas? Non, par défaut, tu fais pas le transport. Donc, je pense que la résidence niveau 1, c'est un peu court avec un seul camion. Mais pour autant, ça m'a l'air suffisant. Là où... Ah bah, regardez. Tout à l'heure, on était à 3 quarts. Maintenant, on n'est plus qu'à 1 quart. La plantation... Quoique c'est 92 d'un coup. Ah ouais. Ah, il se remplit à moitié d'un seul coup. Très bien. Donc là, c'est plutôt le dépôt. Il a beau être niveau max, il a du mal avec une seule plantation. Il la vide pas entièrement. Et après, faut... Du coup, le dépôt doit prendre les stocks depuis la plantation jusqu'à chez lui. Puis l'emmener au séchoir. Faire aller chercher au séchoir le cannabis séché, l'emmener à l'entrepôt, à l'atelier, ce qui fait beaucoup. Ici, il y a une enquête, donc on va arrêter les activités au port. Comme ça, ils arrêteront de nous chasser. Ici, il n'y a plus d'argent. Pourquoi ? Quand ce port a de l'argent. Ce port a énormément d'argent. Mais je suppose que, bah, pareil, un seul véhicule, c'est beaucoup trop peu pour une résidence. Même une fois lancé. Et Plop Tokyo Mia, comment tu vas? Ouais, je fais des petits messages programmés quand on fait Plop. Je crois qu'il y a un ou deux autres messages, mais pas beaucoup. J'ai pas encore eu beaucoup d'idées. Peut-être qu'il faudrait que j'en fasse un pour salut, quand même. Pour des saluts, pour des bonjours. Mais voilà, j'y réfléchis encore à ce genre de choses. Content que ça t'amuse. Ici, il y a quand même trop d'opium. Et cet entrepôt est niveau 2. On devrait l'améliorer niveau 3. On peut pas. Lui, c'est bien un dépôt niveau 3. Alors pourquoi celui-ci ne pourrait pas être un dépôt niveau 3? On n'a pas vraiment la recherche. On a quelqu'un qui est mort et qui nous permettait de le faire peut-être. Ah, c'est choix. Avant, c'était un grand texte qui prenait tout l'écran. Donc ça, 47 000, c'est hors de question. Niveau 2, 33 000, c'est hors de question. C'est choix, j'en ai fabriqué deux, mais en fait, un seul, ça pourrait suffire. Dépôt 47 000, effectivement, c'est un peu trop cher. On se rappelle que pour diminuer la terreur, ça nous... Au final, ça nous coûte de l'argent propre, parce qu'il faut... faut exécuter des dons à l'église. Et sauf que l'argent propre, on l'a difficilement, on le blanchit très lentement, notre argent. Ici,
Ouais, ici, avec, avec mon capot, on réussit à vider la plantation. Maintenant, peut-être qu'en l'emmenant ici, il y a un peu plus de véhicules. Pendant que ça lag, sauvegarde, c'est vrai, j'avais oublié. C'est marqué en bas à droite, dans, après la sauvegarde. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Le genre de jeu de, bah, le genre de gestion stratégie en général, il y a besoin de tout bloquer pour pouvoir faire une vraie sauvegarde. Qu'est-ce que je voulais regarder ici? Ici il y a de l'argent et c'est bien seulement cette résidence qui essaie de l'extraire. Ici la résidence a un peu d'argent et l'aérodrome pas plus que ça. Ici cette résidence a de l'argent et le port je suppose qu'il en a un petit peu mais pas des masses. Ici c'est censé utiliser de l'argent propre mais on n'a plus d'argent propre. Non. On n'a plus d'argent propre. Je devrais mettre... Bon bah Baby, oui oui je vais le prendre. Je peux mettre ce genre de choses, oui. Les jeux, oui, je l'ai déjà fini, oui, celui-là, c'est prévu. Ah, celui-là, un jour peut-être, si vous êtes sage. Je peux faire ce genre de commande, effectivement. Oui, mais pourquoi cette résidence niveau 1... Ah, c'est toi qui donne des... Oui, toi tu donnes des livreurs aussi, j'avais oublié. Toi tu peux prendre l'argent comme ça, toi aussi, de toute façon c'est bon. Genre je lui sors, je lui fais partir et direct il attend un paiement. Voilà. Avec mon capot à la résidence, ça va mieux le faire. Donc ici, chargement L, lui chargement L aussi, les deux sont lents. Donc on va plutôt demander à lui de faire quelques livraisons d'argent à la résidence. Ce qu'on veut faire, du coup, les objectifs, blablabla, les objectifs de mission, on va quand même essayer de les avoir. Donc on va prendre la ville. Oh, je vais voir si juste en prenant la ville, elle devient une ville aux mains du gouvernement et ne nous prend entre guillemets que 30% de l'argent qui passe, ou s'il faut vraiment la capturer. Mais je pense qu'on va le faire. Le port par contre, et après du coup prendre le port, vendre dans les trois ports et avancer dans les missions quoi, tout simplement. Ici il y a 10 000 d'argent, on peut s'attendre à avoir un petit peu plus encore. Comment se passe cet entrepôt? Et bah la plantation est toujours blindée pour changer. Sinon j'ai pas l'argent pour reprendre mes entreprises. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux attaquer? Non. Ce que j'aimerais bien... Ah mais toi t'es là, tu sers pas à grand chose toi si. Ah, t'augmentes la productivité d'ailleurs exactement là où tu es, tu sers vraiment pas à grand chose. Mais toi tu vas aller en ville ici. Toi tu vas arrêter les livraisons, effectivement aller en ville ici ça peut être bien. Et on va directement aller attaquer la ville là-bas. J'ai besoin d'attaquer avec tout le monde. J'aurais dû attaquer avec lui en premier d'ailleurs. Enfin tout le monde. Avec ces trois personnes. Et j'ai besoin... Non, non. Je veux dire de mettre quelqu'un ici.
Mais j'ai pas besoin de recruter. J'avais déjà prévu d'y envoyer Jesus Garza. Jesus Garza. Ils ont aussi changé. Donc je vous ai montré ça. Ils ont aussi changé. Oh, le prix des ressources. Je crois qu'on n'avait pas un endroit aussi unique. J'ai pas fait gaffe à la barre de terreur. La liste des bâtiments. Pendant que je vérifie une seconde, voilà. Toujours être en train de d'augmenter notre loyauté pour pouvoir se défaire du niveau de terreur. Mais donc je disais, avec la liste des bâtiments, avant il n'y avait pas cette colonne entretien. Il y avait bien le nom du bâtiment. On pouvait pas en sélectionner plusieurs d'ailleurs quand j'y pense. Donc il y avait le nom du bâtiment, la région, une colonne alerte et une colonne on-off. Là ils ont rajouté une colonne que je m'attendais absolument à avoir, qui est du coup qui correspond à l'entretien des bâtiments. Et donc on voit que la plupart des bâtiments là utilisent de l'argent sale. Mais si j'avais voilà, par exemple ce séchoir apparemment utilise de l'argent propre. Pourquoi ? Comment c'est utilisé de l'argent sale ? C'est lequel ? C'est celui-ci. Normalement il est à portée. Donc là si je le remets utiliser de l'argent propre, on devrait le revoir dans la liste quoi. Il est où le séchoir ? C'est voilà. Donc on peut vérifier sans rentrer dans chaque bâtiment s'ils utilisent de l'argent propre ou sale, ce qui est plutôt pratique. Là c'est de l'argent propre parce que on est loin de toute résidence, donc c'est plus pratique. Une petite augmentation. Ouais, t'en fais pas, tu vas avoir une augmente. Plus t'es loyal, ouais, t'as besoin de rien. Comment se passe le combat? Ça avance lentement. En plus, on aura une banque ici. J'espère que la banque va nous aider à transformer l'argent. Séchoir, oui, il a forcément cessé d'être opérationnel le temps que la résidence se décide à lui envoyer de l'argent. Mais la résidence a de l'argent, voilà, il y a bien un transport de fonds qui va à l'un des séchoirs. Celui qui était en pause. Ici, ça n'a plus d'argent du tout. Et pareil, la résidence va lui envoyer. Tout se passe bien. Ici, comment ça se passe? Ici... Ce serait bien d'améliorer l'aérodrome aussi en espérant. Est-ce que... Recherche. Aérodrome. Ça augmente juste les capacités de réserve. Hein. Pas si génial que ça. J'aurais espéré que... Qu'augmenter l'aérodrome fasse que les avions font leur trajet plus vite ou avec plus de cargaison. Mais ça n'a pas l'air ou ça n'est pas indiqué. Ici l'attaque a l'air de bien se passer. Toi avant que tu râles, on va te donner de l'argent. On a d'ailleurs 90 de café. On a 900 légumes en avance. Il y en a combien ici? Ici il y a 300 légumes. Ici 200. Ici 200. Il faut que j'ai 120 000 d'argent propre. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent propre. Oh, il reste 11 heures. Ouais. Ça avance lentement quand même, cette attaque, mais... La terreur monte moins qu'avant, j'ai l'impression. Ils ont aussi, d'après ce que j'ai lu, réduit la vitesse à laquelle les lieutenants gagnent de l'XP. C'est vrai qu'à un moment, j'ai l'impression... Enfin,
ils en gagnaient tous un peu d'un coup et ça fait augmenter les charges assez vite. D'ailleurs, si on peut revoir l'économie pour l'année, pour tout le temps, il y a une différence. Ah, il y a une différence. C'est-à-dire que ça fait plus d'un an in-game qu'on joue. Blanchiment d'argent, on en a fait beaucoup. On a vendu 48$ de légumes, on avait testé. Non, mais une augmentation, toi. Au mieux. Tac, tac, tac. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui coûtent super cher. Bah, la recherche, ça a été un gros trou. Et l'entretien des lieutenants, vous voyez, 200 000 sur les 800 000. Si on prend juste le mois en cours, on a fait 67 000 de blanchiment. On paye 38 000 par mois en argent blanc. Enfin, on gagne 400 000 d'argent sale et on en transforme que même pas 70 000. Ce qui est pas énorme et on en dépense plus de la moitié. Dont une très grande partie dans les lieutenants. Du coup, il va falloir que je trouve un moyen d'alimenter mes lieutenants en argent sale, du coup. Il va falloir... Je pense que... On va commencer tout de suite, en fait. Ok, toi c'est bien. Toi, je sais pas pourquoi t'es en argent propre alors que t'es sur une mine d'argent sale. T'es toujours fidèle, t'es toujours très loyal. Toi, par contre, tu te sers sur de l'argent propre. Il faudrait que tu utilises de l'argent sale. Pour ça, tu vas aller à... on va vérifier celle-ci, elle a 10 000. Ah, celle-ci, elle a 0. On va pas aller la prendre chez elle. Celle-ci, elle a combien? Elle a 18 000. Non, tu vas rester là. Toi, tu vas livrer de l'argent en ville. Faire Amado, donc oui, la ville. Pendant que la terreur, je vois, augmente peu trop à mon goût. Donc on va demander une faveur à l'un de nos... Oh, il y a une phrase pas traduite. J'ai changé d'avis de toute façon. Non, moi c'est réduire le niveau de terreur que je voulais, j'ai cliqué trop vite. C'était le sacrifice, en vaut la peine. Donc là on a moins de loyauté, mais on a même diminué. En terreur, on a moins de terreur qu'avant le début de l'attaque. Ce qui est très bien. Toi, t'as pas eu ton cash. Tu peux arrêter les... Oh mince. Tu peux arrêter livraison. Toi, tu as du coup un stock d'argent sale ici, 11 000. On va voir combien de temps ça te prend. Toi aussi, il va falloir... Toi, tu veux plutôt... On va plutôt emmener toi au port. Et faire une livraison d'argent à la ville. Hop, livrer de l'argent à la ville. Une fois. Pour que la ville, pour que lui puisse se servir en argent petit à petit, sans trop baisser en loyauté.
Et du coup, en utilisant de l'argent sale, on espère diminuer les l'entretien et enfin le notre perte d'argent propre quoi. Toi, tu utilises de l'argent sale s'il y en a, ce qui n'arrive apparemment jamais. Ici, il y a combien ? Finalement, le lag, ça indique la sauvegarde. Voilà, c'est bien ça. Donc, tu vois, toi, tu as 100 000 en stock. Toi, tu as 76 000. Hop. Voilà. Et donc ici, il y a de l'argent. Et donc lui se sert en argent sale dedans. Ici, c'est la même chose. Mais pas ici parce que la personne... travaille gratuitement. On va quand même livrer une fois un lot juste pour que quand je commencerai à le payer je ne sois pas surpris. Si c'est dans 3 épisodes j'aurais totalement oublié de ce que j'ai fait. Voilà. Maintenant est-ce qu'on peut voir, eux deux prennent de l'argent propre mais ils sont en mission d'attaque. Ils en consomment beaucoup en plus. Voilà. parler au maire pour vous prendre la ville. Oui, je pense qu'on peut prendre la ville même si... même si elle est un peu loin, avec ce fonctionnement, ça ira sûrement. Armée nationale non loin. Ah! Pour comment ça, l'armée nationale? C'est plus la police, c'est l'armée. C'est pour lui? C'est parce que cet atelier déborde un petit peu là. Il déborde même pas, il est rempli à ras-bord. Mais il est rempli à ras, quoi. Il déborde pas. Vu qu'il y a des sirènes rouges tout autour, j'en ai bien l'impression, j'en ai bien peur, parce que mon armée est à l'autre bout du monde. C'est pour ça que j'en ai, comme je dis, un peu peur. Hop, l'affrontement... On va voir où ils vont. Avec leur petit convoi. Ils font quoi l'armée d'ailleurs? Blocus de la ville. Le transport ne peut pas passer à travers la ville. Toutes les marchandises transportées suivant un itinéraire avec une ville bloquée sont confisquées. D'accord. La frontière sera blocus. Donc ça c'est s'ils attaquent une ville. S'ils attaquent une frontière, blocus de la frontière. La frontière sera totalement fermée. Au transport de marchandises. Toutes les marchandises laissées là seront détruites. Ok. Donc quelle ville, sur quelle ville ils s'attaquent? Alors non, je peux pas en sélectionner plusieurs. Est-ce qu'avec la liste des bâtiments je peux voir toutes ces fermes là? Voilà. Donc toi. Ah oui, il faut voir le légume ici. J'avais vu que les fermes, il y avait un peu beaucoup de légumes en ce moment. Je suis en train de toutes les sélectionner en espérant que quand je vais cliquer sur... sur pause, voilà, ça les... Voilà, hop,
Hop. Et voilà, elles sont toutes passées à l'arrêt parce que il y a trop de légumes, on n'arrive pas à en exporter assez. Ou alors, au lieu de viser l'atelier, on pourrait remplir un port avec des légumes directement. Mais les ports ont déjà deux marchandises, ils peuvent en exporter que deux différentes à la fois. Ouais, on pourrait. On pourrait. Allez, on va se permettre de le faire rapidement. J'ai un peu de mal à voir. Je vois pas genre une ville qui est en rouge ou le port en rouge. Donc je sais pas trop où va le convoi. Qui s'est marqué que l'armée va à la frontière ou dans une ville. Ok, le port a été pris. Viens directement ici. Viens directement ici. Ouais, en fait, je suis déjà tout là-haut avec cette... avec cette zone. Et toi, tu vas aller moins loin, tu vas rester dans le coin. Ça devrait le faire. Pendant ce temps, on va parler au maire. En tant que maire, vous êtes indispensable de la région. Bonjour, oui, c'est pas faux. Bien, il faut savoir que je vais m'emparer de cette région. J'ai déjà entendu cette histoire quelque part. Bon, j'ai un peu la flemme, c'est toujours le même dialogue. Oui, il faut avoir de l'acceptation, mais du coup, c'est déjà fait. Il faut éliminer le gang qui est au village. Et d'ailleurs, quand on pourra acheter au village, comment dire, acheter au village permet de... d'augmenter la loyauté aussi. Ce qui, si on peut y dépenser de l'argent sale, ça sera tout bénef. Pendant ce temps, cette résidence est en train de déborder. Alors, Puerto Roja est sous blocus. L'armée bloque provisoirement le passage à travers la ville. Toutes les marchandises transportées à travers la ville vont être détruites. Ok, donc ils font bien un blocus, mais ils font pas un combat avec avec mes soldats, d'accord. C'est intéressant. Donc là, j'avais mis de l'argent, il y a tout qui a disparu. C'est pas si grave, c'est pas l'argent sale qui me manque, justement. Quoique... Ça veut dire que je peux pas utiliser... Bon, je les utilisais pas, mais si je voulais, je pourrais pas utiliser le casino et le cirque. Ce qui n'est pas très cool. Qu'est-ce que... Alors, soit je fais une route là en espérant qu'ils suivent la route, voire même là, en disant, bah voilà, vous pouvez suivre la route tout droit à travers les champs, esquiver la ville, s'il vous plaît. Je pense que je vais faire ça. Ok, ça coûte un peu d'argent propre, mais pas des masses. Genre là, je peux pas. Là, je peux pas, mais là, je peux. Très bien. On va voir si ça suffit. Une petite esquive de la ville comme ça. On pourrait faire la même. On a déjà fait la même ici d'ailleurs.
On pourrait l'améliorer. Parce qu'il me semble que c'était pas du gravier. Et maintenant j'ai un doute. Non, c'est bon, c'est bon. Ce n'était bel et bien pas du gravier. Ici, tes camions de légumes, ils sont tous en train de les envoyer à ce port-ci, c'est ça? Il y a 60 légumes. Plus 13 légumes surprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a énormément de légumes. Ici aussi. Ici, on peut toujours pas racheter. Attendez. D'accord, ils se font repousser, mais ils vont où? Ils vont à la première ville ou ils vont... Ouais. Très bien. Bah, tu vas pouvoir retourner ici. Oula, oula. La loyauté niveau acceptation, c'est bon, mais on va redemander de réduire le niveau de terreur. Déjà, c'est un peu tôt, mais... Mais voilà, on va le faire quand même. Toi, tu vas pouvoir aller dans cette ville qu'on est en train de vouloir conquérir. Donc la banque est contrôlée par le gouvernement. Ah mais je pourrais très bien rajouter un parc d'attractions si je voulais. Je comprends, j'ai du mal à comprendre l'utilité de l'hôtel en fait pour le moment. Oui, un hôpital carrément. Je devrais en mettre un là. D'ailleurs, j'ai rien pour blanchir l'argent ici. C'est peut-être pour ça hein, que j'ai des soucis. Ouais, j'ai même pas besoin d'emmener mon capot. Le village est ok. Donc le village, par contre, le village demande lui aussi de l'argent propre pour acheter des cargaisons de ce qu'on veut. Même des cargaisons de drogue, hein, on va le dire clairement. Ici, vous pouvez acheter des matières premières, légales ou illégales. Il n'y a pas de véhicule. Et si je te dis de venir ici... Ça n'a pas l'air de prendre. Si je te verrais bien faire un kidnapping, toi. Et toi, peut-être un cambriolage. Hein, on fait 2-3 trucs dans cette ville et puis après on graisse la main du maire. Ah, il faut déjà lui livrer les sous. Tac. Alors toi, tu vas aller à ce port-ci. Et lequel des deux on fait faire la livraison? Les deux ont un gros chargement et sont lents. Mais je pense qu'on va utiliser ce Balthazar. Ouais, la terreur augmente. Cambriolage terminé. Vous avez reçu 15 000 en argent sale. Mieux vous retirer l'argent le plus tôt possible. Et kidnapping, vous avez reçu 10 000 sur votre compte bancaire, donc en argent propre.
Mais bon, les deux dans la même ville et tout, je sais pas si c'était hyper intelligent. Là, on en a du coup déjà donné 15 000 grâce à ça. Toi, t'as une... Tu pourras faire des livraisons aussi, en fait. Vu que tu as un coffre un peu petit, mais tu es beaucoup plus rapide. Ça pourrait le faire. Et dans le même temps, maintenant qu'on a un troisième pot... Ah, il y a une enquête ici. Au secours, sauvegarde. Oh, punaise. J'avais pas fait gaffe à l'enquête. Oh, mais à la limite, là où vous en étiez, hein, Nice. Et on voit bien que les camions utilisent ce raccourci. Donc le blocus, au final, on l'a esquivé. À part le fait que on ne peut pas blanchir l'argent dans la ville. Ok, là ça fait beaucoup de monde à qui on a promis une augmentation. On va donc en donner à ceux dont je me souviens. Je crois qu'il y avait toi. Il y a toi. Et voilà. Comment ça, t'es en pause, toi? Je n'ai pas eu d'argent parce qu'il y a le camion qui fait des allers-retours jusqu'à l'autre bout du monde. Ouais, mon pote. Livré 8000. Non, on va faire à la ville là-bas. Donc attendez, enquête sur sur bâtiment. Ouais. Ce bâtiment va être saisi sous peu. Ah! Genre, ils partent de la ville pour passer par mon chemin. Ils se foutraient pas de ma gueule s'ils font ça. Ils se foutent de ma gueule, hein. Je vais le regretter, ça va pas marcher, mais... ça va me gêner de mon côté aussi. Ça ne marche pas du tout comme prévu. Très bien, toi tu as 3 de combativité, tu vas aider à défendre contre la DEA, parce que lui n'a qu'un, et 3, DEA n'a rien trouvé. Le blocus, j'ai vu qu'il avait disparu. Ok, bon. C'est un peu flou. On a donné 34 000, 35 000 presque. Voilà. Là, on va arriver à 46 000 à Soledozo. On pourrait autoriser le port, mais... Voilà, on pourrait faire le port, mais il faudrait envoyer quelqu'un. Enfin, quelqu'un.
C'est un port, du coup il lui faut une sortie d'atelier, et les sorties d'atelier sont déjà pleines avec les deux ports qu'on a déjà, tout simplement. Tac toi. Il faudrait que tu envoies ton argent au casino. Oui, d'accord, cool. Le casino, tu viens de 7. Oui. Arrêtez les livraisons. Toi aussi. Arrête-toi la ville. Parfait, parfait. Tu vas plutôt te mettre au port parce que sinon tu vas viser les stocks de la ville. Trop vite à mon goût. Et là, on peut prendre la ville. Voilà. Ici, on peut convertir en 9 jours 30 000 d'argent sale. Très bien. Où est-ce qu'on peut gagner encore un peu d'argent ? Niveau légumes et opium, toi t'es à craquer, par contre ta sortie est lente. Toi t'es pas à craquer, mais bon t'es pas non plus très loin derrière ton collègue. Et ben on peut réactiver toutes les fermes. Voilà. Ferme de légumes. Ça, oui, ce qu'il faut, c'est que les légumes du coup partent au port directement. Ça nous fera un peu d'argent propre direct. Plutôt que fermer les fermes, hein, tant qu'à faire. Si on peut gagner de l'argent propre. C'est cool. Banque a cessé d'être opérationnelle. Très bien. Oui, forcément, ici, il n'y a pas d'argent. Il y en a dans le cœur de la ville. Mais il faudrait qu'il y en ait au port, en fait, pour alimenter la banque. Alors, si on va se calmer. T'as réussi à retrouver masse de thunes en allant la chercher dans les ports. C'est très bien. Toi avec toi. On commence à avoir de l'argent quand même, de l'argent propre. On a 33 000. On a 33 000, 25 000. Ça descend quand même très vite avec le. Avec l'église, mais je pense que notre système pour économiser de l'argent propre en envoyant de l'argent directement dans le cœur des villes a l'air de fonctionner un peu. Le mois dernier on en était à 31 000 pour les lieutenants, là on est à 27 000. Alors la différence est pas énorme, mais je suis pas sûr qu'on ait passé un mois, j'avais pas vérifié la date. En tout cas ça descend, c'est ça l'essentiel. C'est que l'argent ne nous serve pas à entretenir nos lieutenants. Ou le moins possible. Par exemple, que elle pique dans les réserves d'opium, c'est pas si gênant que ça. À part quand on se rend compte, comme à l'instant, qu'il n'y a pas beaucoup d'opium qui arrive à cet aérodrome. Du coup, cette résidence
ne gagne pas forcément masse de, d'argent. Donc ici on est à 176. Ici il n'y en a pas. Ici on est à 197. Très bien. Et bien toi, tu vas avoir l'immense honneur de livrer l'autre aérodrome surtout. Qui est un peu plus loin. Mais celui-ci normalement fonctionne très bien juste avec celui-là. Donc ici la résidence à 30 000. C'est vraiment le fait qu'elle ait qu'un seul camion qui bloque beaucoup de choses. Mais on commence, comme je disais, à avoir pas mal d'argent. Faut vraiment qu'on fasse cette recherche là. Avant les routes niveau 3. Est-ce que je le fais avant l'atelier niveau 3? Oui, de toute façon j'ai pas les sous. Et c'est tout ce que j'ai besoin, donc la résidence. Comment ça, j'ai dépensé beaucoup d'argent ces derniers temps? Mais d'où? Quand on remonte à la source de l'argent, on trouve toujours une bonne histoire. C'est ce qu'on dit en tout cas. Vous allez vite comprendre votre erreur. Il n'y a rien à voir ici. Ce ne sont que des affaires banales. Or, j'ai bien le droit de faire quelques recherches, non? Juste pour satisfaire ma curiosité. J'aime fouiner, mais seulement si ça a un intérêt public. Je cherche le genre de choses que tout le monde devrait savoir. Soit on peut lui donner un scoop en lui donnant de l'argent sale. Soit on la tue. mais du coup ça augmente la terreur, qui est déjà pas mal haute. Soit on s'en fout et la terreur augmente de fou. Non mais on va lui livrer de l'argent sale, hein, de toute façon on a beaucoup. Amado c'est cette ville ci. Très bien, ce port là à 80 000, celui-ci 100 000, Ouais mais on va quand même livrer depuis ici, puisque Tony y est. On ne peut pas être viré, Tokyomiya, tu ne sais pas comment les affaires se passent ici. Soudoyer le journaliste, oui. Et il faudrait dans l'idée qu'on reprenne des bâtiments. Ça coûte tellement cher. C'est quoi cet accent? C'est un faux accent... un faux accent de mafia, de mafieux mexicain. Il est nul, ça ne m'étonne pas. Casino a cessé d'être opérationnel. Le dépôt aussi, le dépôt c'est forcément beaucoup plus gênant, c'est celui-ci. Ouais. On peut pas trop s'autoriser à avoir ce dépôt qui ne travaille pas. On aurait dit un British perdu dans la pampa. Bien sûr. Ah non, quand même pas. J'étais pas perdu à ce point-là avec mon accent. Le dépôt, oui, bah oui, mais... Ce dépôt, il faut qu'il se fasse ravitailler hein, la résidence. Il me faut des résidences de meilleur niveau.
Mais même ce dépôt, il a qu'une seule plantation à gérer. Il livre à deux ateliers différents. Qui sont un peu loin, il faut l'avouer. Et qui sont un peu remplis aussi, il faut pas se le cacher. Mais du coup, le dépôt est rempli. On va mettre un petit peu en pause ici, histoire que celui-ci ne déborde pas. Alors toi, tu vas livrer de l'argent à la ville. Ce casino est censé être alimenté par cette résidence qui n'a qu'un seul punaise de camion qui arrive vraiment pas à faire le trajet. Si au moins elle avait un camion qui l'alimentait et un camion qui faisait le reste, ça irait. Mais elle n'en a qu'un. Pendant que... On a eu encore un petit lag de sauvegarde, on est habitué. Il faut freeze tout le système. Hop là. On arrête le transport à cet aérodrome. Toi, tu risques d'être un petit peu... Oh non, ça va, ça va. Ah oui, du coup, parce que du coup... Vous étiez les deux dépôts à livrer à cet aérodrome. Ce qui fait que les deux dépôts se chamaillaient, on va dire, pour celui qui remplit la réserve de l'aérodrome. Et maintenant que chacun vise un aérodrome différent, ça va mieux. Ici, il y a un peu d'argent, oui. Oui, il y a un peu d'argent. Ça tient pas les 7 jours, hein, mais il y a un peu d'argent d'avance, ce qui est pas mal. Puis, il a l'air de se remplir. 6000, moins 900. Oui, je crois que ça s'est rempli. C'était à 3000 avant. Donc, la résidence réussit à peu près à faire son job, hein, quand même. C'est bien. De où il a l'arrêt, lui? Il a pas de thune parce que lui n'a qu'un seul véhicule. Mais on est en recherche pour les résidences, donc on est en train d'essayer de résoudre le problème. Ici on peut... Ici, ça va me coûter 36, 3 x 36, 3 x 3, 9, plus de 100 000 pour reprendre cette zone-là. Ce qui est un peu cher. Par contre, il faudrait absolument que je reprenne cet atelier-ci. J'allais dire, mais je sais comment gagner de l'argent. sauf que faire affaire, ça nous fait gagner de l'argent sale. Et l'argent sale s'accumule. Sale cumule? Comment vous dites? Bref, mauvais jeu de mots là-dessus, j'admets. Tac tac tac, tout ça va bien. Lui aussi on pourrait faire affaire. Hein. 200 unités de cannabis séché, je pense qu'on peut. Ah, quoi qu'on n'a pas beaucoup de séché en stock. Ah. Est-ce que je peux faire un autre dépôt? Hop, avec de l'argent. Ah, je peux pas le faire niveau 3. Hein. Ok. Soudoyer. Vos largesses sont reconnues. C'est quoi ça? Un article flatteur est publié à la une du journal. Il vante vos contributions généreuses aux initiatives de la communauté. Vos largesses sont reconnues.
Très bien. Je rêve où tu viens de faire un jeu de mots vraiment pas ouf. Non, non, je pense que tu ne rêves pas, ça m'arrive de temps à autre. C'est pas trop une habitude, ne t'en fais pas. Alors je fais que ça. Et t'as pas reçu ton paiement, t'as 8000 balles dans le coffre là. Ici il y a 70 000 d'argent sale, ici on a 170 000, ici on a 70 000. Ici il n'y a pas d'argent. Et pas d'option d'avance. Mais comment je peux travailler avec des dires pareils, OMG? Je ne sais pas, c'est toi qui bosse. Il réalimente une fois ici. Ça sera bien. Et pendant que ça se tasse, évidemment quand je dis ça, notre lieutenant demande une petite augmentation. Je pense qu'on va pouvoir arrêter l'épisode ici. J'ai bien réactivé l'aérodrome, c'était celui-là. En tout cas, il est actif, celui-ci aussi, donc tout a l'air ok. On va s'arrêter pour cet épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous retrouve très très vite pour le prochain épisode. Demain normalement, sachant que je le tourne juste après. Allez, à plus.